Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du nettoyage en profondeur de ma cuisine. Elle avait vraiment besoin d'un gros nettoyage, que ce soit à l'intérieur des armoires, mais aussi à l'extérieur. Je vais déjà commencer par débarrasser les deux plantes de travail, mettre au frigo mes melons que je venais d'acheter et débarrasser le cookéo, la décoration, la soda stream, vraiment tout ce qui traîne sur le plan de travail. Pour le nettoyage en profondeur de ma cuisine, je commence déjà par dépoussiérer les surfaces en hauteur. Au moins, rien ne tombe sur les choses. Je vais également nettoyer ma fenêtre extérieure et les bords des joints de la fenêtre car là, c'est toujours noir et je pense que je ne peux rien faire pour ça. Je pense que c'est dû à la pluie, le mauvais temps. Franchement, c'est toujours noir. Quand c'est vraiment incrusté, je fais avec mon appareil vapeur de chez Lidl. Mais là, ça va, je ne vais pas dire que c'était trop incrusté. Ça partait vraiment avec du sopalin et du produit. Après avoir fini la fenêtre extérieure et les joints, je vais m'attaquer à la fenêtre intérieure avec les extrémités. Mais aussi, n'oubliez pas, c'est très important de toujours nettoyer ces poignées de porte et de fenêtre, mais également la poignée du volet. Je vais passer un coup également sur le caisson du chauffe-eau car au-dessus c'est toujours sale aussi. Et tant que je suis en hauteur, je vais faire au-dessus du meuble des rangements des assiettes, des verres, des tasses, des mugs. Là aussi c'était super poussiéreux. En plus de ça, j'ai deux plateaux qui sont juste au-dessus qui me servent à rien. Du coup, je vais les nettoyer, les jeter ou les donner. Après avoir fini les surfaces en hauteur de ce côté, je vais commencer par vider toute l'armoire. Je vais également la nettoyer et je vous cache pas que ça, je ne le fais pas très souvent parce que c'est pas sale. Je suis désolée, j'ai eu un petit souci de luminosité avec ma nouvelle caméra. Et comme je disais, j'ai vidé l'armoire, je l'ai nettoyée et j'ai tout bien réorganisé. Et surtout, je n'oublie pas de nettoyer la porte et la poignée de l'armoire. Maintenant, je vais faire la même chose pour les biscuits. Je vous dis toujours que cette armoire, c'est impossible de la garder en ordre. Tellement il y en a, c'est toujours plein de miettes en plus de ça. Du coup, j'ai pris des boîtes chez Action, bien évidemment, et j'ai mis chaque biscuit pour chaque boîte. Je vous montre tout ça. J'ai pris des boîtes chez Action, donc c'est les 2 litres. Elles sont top, elles passent toutes dans mon armoire, du coup j'étais très contente. J'en ai pris 20, elles sont à 77 centimes pour une, je trouve ça vraiment raisonnable. En plus de ça, Anthony est très content, il s'y retrouve mieux car l'armoire à biscuits c'est à lui, car moi j'en mange quasi pas. Mais bon, moi j'ai mon petit côté bonbons, je suis une très grande fan de bonbons mais j'en achète quasi jamais, j'évite vraiment ces rayons là pour les dents. Je fais tellement attention à mes dents, du coup j'en achète quasi pas. Ou si j'en achète, c'est vraiment que j'ai vraiment une envie. Mais bon, je les mets dans le fond de l'armoire, au moins je ne les vois pas et je suis pas tentée à manger tout le paquet.
Je vais ranger tout par ce qui se mange le plus et le moins, et selon les dates également. Si je peux vous donner un petit conseil, n'hésitez pas à faire des changements. C'est que comme ça que l'on voit que si ça passe, si on aime bien ou pas, si c'est fonctionnel ou non. Et c'est vraiment mieux pour adapter l'armoire à l'organisation que l'on veut. J'ai également laissé un petit panier pour tout ce qui est pain, pain wrap, pain kebab, brioche, vraiment pour tout. Au moins ça, ça se trouve là et ça ne bouge pas. Pour tout ce qui est chips, cacahuètes, pour les apéritifs, j'ai bien fermé avec les pinces de chez IKEA pour pas que ça périme trop vite. Et j'ai tout mis dans le hall dans ma boîte à produits doux. Ensuite, je vais nettoyer les deux plateaux et les mettre de côté pour jeter ou donner. Ça, je ne sais pas encore. Après ça, je m'occupe des armoires du bas. Comme je dis à chaque fois, je fais toujours de haut en bas, mais si je sors des choses de l'armoire du bas, je fais le plan de travail en dernier pour pas salir 5 fois et toujours repasser, ça ne sert à rien. Les mini bonbonnières viennent de chez BM, avant c'était Babou. Et les grosses, elles viennent de chez Noz. Ma maman me les a offertes quand elle est tombée dessus quand elle a été. Et celles où je mets le café, le sucre et les dosettes de lait, je les ai prises chez Jiffy. Je vais nettoyer chaque bonbonnière, comme ça elles sont bien propres. Et ensuite, je peux tout ranger correctement dans l'armoire. Je vais ensuite bien ranger mon armoire à casserole, plats, les plats qui vont au four, les saladiers, j'en ai pas beaucoup car j'utilise le plus souvent le Cookeo. Je vais nettoyer les surfaces du plan de travail et l'évier en profondeur avec mon éponge Scrub Daddy. Donc là, je prends l'orange pour l'évier et je nettoie tout au produit à vaisselle.
Après avoir fini la première partie, je m'occupe des tiroirs du meuble bain. C'était très poussiéreux, du coup j'ai passé un coup d'aspirateur avec l'embout adapté. Donc l'aspirateur c'est le Ultenic U11, le lien est dans la barre de description. Donc comme je disais, je vais tout aspirer, nettoyer et mieux ranger, comme ça va être mieux organisé. Et je vais faire de même pour les essuies à vaisselle. Et pour finir, je vais lancer mon nouveau robot aspirateur. Le blanc que je vous ai présenté dans une ancienne vidéo, je l'utilise tout le temps, mais celui-ci, il est dans la partie chambre et salle de bain et le hall d'entrée. Et celui-ci, il est pour la cuisine et le salon, donc c'est le Dream. Il est vraiment top et silencieux en plus de ça. Je vous montre comment il se compose. Alors pour ma part, j'adore déjà le design, il est magnifique, il est silencieux. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas la télécommande. Mais vous avez la télécommande sur l'application, je vous montre tout ça. Donc pour le robot, il est super simple d'utilisation. En plus de ça, il a des capteurs d'obstacles, il voit où se trouve la poussière et il y a aussi les capteurs pour la charge. Il passe bien en dessous des meubles également et comme vous pouvez voir, le filtre il s'enlève facilement. Le filtre s'enlève pour le nettoyer et vous avez également le socle de vidange. Comme vous pouvez voir, il suffit juste à clipser et ça s'enlève. Le robot aspire et lave également. Vous avez la serpillière avec et elle s'enlève facilement. Le réservoir d'eau est petit mais il y a assez pour laver. Et il s'emboîte également facilement. La serpillière se coulisse et se scratch. En plus de ça, à l'achat du robot, vous avez des sacs en plus pour la vidange. C'est super pratique, même si avec un seul, on fait super longtemps. Pour l'application, dans le carton, vous avez un QR code pour l'application. Donc, il suffit juste de scanner et vous avez l'application. Il suffit de vous inscrire et vous aurez accès à votre application avec le nom du robot. Il faut choisir quel robot vous avez. Donc là, c'est le Z10 Pro. Avec l'application, vous pouvez tout programmer. Vous pouvez même voir son trajet qu'il fait dans une pièce, voir également quelle pièce vous voulez qu'il aspire ou qu'il lave, et même voir la durée des pièces. Vous pouvez même également recevoir une petite notification quand il faut nettoyer les capteurs pour la poussière. Vous pouvez régler le débit d'eau, donc si vous le voulez fort, moyen ou bas. Vous pouvez même couper le son de la voix qui parle. Si vous ne trouvez plus votre robot, vous avez juste à cliquer où se trouve mon robot et le robot va parler, va dire « je suis là ». Et vous pouvez utiliser également la télécommande sur votre téléphone pour le guider.
Avec l'application, vous pouvez même programmer à quelle heure vous voulez qu'il aspire, à quelle heure qu'il lave. Franchement, ça, vous pouvez tout faire de votre téléphone. Je vous mets le lien de l'aspirateur dans la barre de description. N'hésitez pas à checker tout ça. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ma vidéo vous a plu, mais aussi motivé. J'espère également qu'elle vous a donné plein d'idées pour organiser vos armoires de cuisine. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo pour me soutenir. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner également. Je vous retrouve samedi prochain à 14h pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. À samedi !